Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo sur mes oiseaux exotiques, plus nouvelle femelle mandarin que je vais vous montrer. Alors ici, le jeune est sorti du nid, commence à être vraiment joli, voilà. Alors je leur ai refait le nid, parce qu'il était vraiment dégueulasse. Donc voilà, il commence un petit peu à manger tout seul, mais je préfère encore le laisser jusqu'à la fin de la semaine. Pour être sûr qu'ils mangent vraiment tout seul. Ici, ce couple de moineaux, alors les petits, ils sont énormes, ils sont magnifiques. Les voilà. Alors, j'en ai bagué. Il y en a trois, ils sont très très clairs, donc je pense que ça sera des blancs. Celui-là, il va être un panaché vraiment joli. Et je les ai bagués, sauf qu'il y a des bagues qui ont sauté, je pense que. C'est les parents qui les ont sortis, je sais pas. Donc on va voir si. Là pour l'instant, je vois qu'il y en a deux qui sont bien bagués. Et le troisième. Et le troisième aussi pour l'instant, donc c'est bon. Voilà. Les parents le nourrissent très bien, voilà. Ce mâle après, il va aller avec sa femelle. Après, ici. Alors ici, là, c'est pas très une bonne nouvelle. Le couple de longue queue, j'arrive pas à les faire reproduire. Donc peut-être c'est parce qu'ils sont en cage, je sais pas. Il me pose un petit peu de problème. La femelle, à chaque fois que elle fait le nid, le mâle l'accoche. Et après, ça, au niveau de la ponte, ça, y a toujours des problèmes. Vous voyez là, je vais vous montrer. Dans le bac, elle a pondu un œuf. Mais sauf que il s'est cassé à travers la grille. Pourtant, je lui mets toujours un bac de grit. Je mets du calcium dans l'eau, mais rien à faire, je sais pas. Elle m'a pondu un œuf sans coquille, elle m'a pondu un ici par terre, alors qu'elle avait le nid, hein. Du coup, j'ai séparé le mâle pour voir si c'était ça. Et là, je les laisse comme ça. Vous voyez, là, la femelle, elle va bien. Je vais lui remettre le mâle pendant une semaine, elle va commencer à être en boule, je sais pas. Donc, je vais voir pour les mettre plutôt dehors. Pour avoir plus d'espace, je pense que c'est l'espace qu'il leur faut. Donc voilà, je verrai bien. Ici, alors ce couple de moineaux, ils ont des œufs. Voilà, ils en ont 6, voilà. Ils ont des œufs, ils en ont. Il y en a 3 que c'est à eux. C'est à eux. Et il y en a 3 que c'est de ce couple-là parce qu'ils couvent pas. Voilà, ce couple de mandarins, ils couvent pas. Donc vous voyez, ils ont construit le nid. Ils mettent du journal et tout, mais ils couvent pas, donc je sais pas. Alors ici, alors ce couple de mandarins, regardez, 4 magnifiques petits, voilà. Il y en a 2 qui sont huppés. Alors j'ai déjà mis des bagues bleues de plastique pour ça signifie qu'ils proviennent de ce couple-là, voilà. Comme ça, je saurai après d'où ils proviennent. Les deux huppés là, je pense que je vais les garder parce que je pense que c'est deux femelles. Voilà, à voir. Donc voilà, ils sont vraiment très jolis. Je suis content. Alors ici, rien de particulier, voilà. Ce couple ici, je leur ai mis la charpie, des fibres de coco, comme vous pouvez voir. Ils m'ont commencé à me faire le nid, voilà. Donc, je verrai bien. Magnifique couple. Femelle huppée. Avec un magnifique gabarit. Le mâle, elle claire, très joli. Voilà. Alors, ici, mon mâle Rufikoda. Voilà. Ma femelle Moine Japon qui attend son mâle. Voilà. Ce couple de mandarins. Mâle huppé, femelle classique. Qui ne couve pas. Je pense que c'est. Je sais pas, je sais pas pourquoi ils couvent pas. Peut-être un problème, je sais pas. Donc j'attends et après j'enlèverai le nid et après je le remettrai peut-être après quelques semaines de repos. Voilà. Je suis pas pressé, voilà. Ici, alors voici la nouvelle femelle. Je vais aller chercher à des copains. Voilà, avec mon mâle huppé. Et du coup, j'ai le mâle joue noir qui a pas de femelle pour l'instant. Le monsieur, il n'avait pas d'autre femelle, il avait juste celle-ci. Donc, j'ai pas l'intention de le faire reproduire maintenant, elle a seulement 3 mois.
Voilà, elle a un magnifique gabarit. Voilà. Et ici, j'ai ce couple aussi. Voilà. Et là, le mâle joue noir. Donc, ah oui, j'ai regardé ta vidéo, Canari Toulousain. Et du coup, j'ai vu que tu avais de magnifiques mandarins. Qu'apparemment, tu aurais deux femelles. J'ai un mâle si tu veux. Voilà. On pourrait faire échange ou comme tu veux. Voilà. Donc voilà, fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus dans la chaîne. On est bientôt 200, il me semble. Donc franchement, je suis très content. Partager au maximum pour faire vivre cette passion. C'est une belle passion. Et voilà. J'espère que vous portez bien, que vous avez plein de jeunes. Voilà, donc pour ma part, pour l'instant, j'ai 8 jeunes, 4 moineaux et 4 mandarins. Voilà. Et voilà. N'oubliez pas de liker. Et on se dit à une prochaine. Allez, au revoir.